bonjour tout le monde, c'est Kitaro. Salut tout le monde. Et Kamatero au Mon Corvo, ou devrais-je dire au Corvo Gaming. Burning Blood, ça fait super longtemps qu'on a envie de tester ce jeu avec vous, etc. On attend ce jeu depuis le début de l'année, depuis les news qui ont été annoncées, tout ça. On est super heureux de découvrir le jeu. C'est notre toute première vidéo gaming, alors si vous voulez, si soyez indulgents, quoi, parce que comme vous allez pouvoir le voir, il nous reste quelques personnages débloqués, je crois qu'il nous en reste un ou deux, voilà. Et donc on a acheté le jeu il y a 10 secondes, ok, alors voilà, déjà on est pardonné, merci beaucoup. On a, voilà, on a reçu le jeu et on a du coup fait uniquement les premiers niveaux de la campagne. Du mode donc histoire. Mais ça, on s'en fout, ce que vous voulez, vous, c'est voir un combat, Kamatero, Kitaro, c'est qui gagne, c'est qui le meilleur joueur, qu'est-ce qui se passe dans la game. Et ben vous ne serez pas déçus, vous êtes au bon endroit, vous êtes au Corvo Gaming, vous êtes là où il faut être. C'est parti, choisis ton équipe, Kitaro. Moi, toujours un brin d'originalité. Ok, bon d'accord, ça part sur un petit trio de la famille. Parce qu'on n'est pas au Mont Corvo pour rien. Oui. Ok, à moi, vas-y. Waouh. Donc c'est notre première partie ensemble, à deux. On sait pas réellement bien jouer, on va s'améliorer, on va faire des gros matchs ranked online. Encore une fois, on a découvert le jeu il y a 10 secondes, hein, donc s'il vous plaît. Voilà. Même, enfin... Choisis un terrain qui est taro. Là où il va y avoir du sang, là il va y avoir de la sueur, là il va y avoir du... Wow, des épées, des poings. C'est forcément les ruines de Shangri-La. Ouais. Ok, donc on part sur les trios des trois frères contre Zoro, Sanji et Brook. Voilà. Faites vos paris. Ça va être de la bombe. Chose intéressante, les persos vont se parler au début des combats. Ouais, mais ça c'est très... Ah. Il est tellement parfait, Brook, à chaque fois. Vous avez toujours rêvé de savoir qui de Luffy l'emporte entre Luffy et Zoro. C'est maintenant, les gars. La réponse est Kitaro. Boum! Ça commence bien, in the game. Motherfucker! C'est tellement de la bombe. Donc voilà, si vous voulez voir des crétins taper sur des boutons pendant 10 minutes, tapez deux, vous êtes au bon endroit. Voilà ce que je t'ai mis. Non mais en vrai, regardez. Akiatipandoho! Oh merde. Nasha ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ce que je fais ? Blaaah ! C'est ça ! Really, nigga ? Oh, je suis trop content ! Oula, la LDR ! C'est ça que tu prends, hein ? Starfouleur ! Aucune originalité dans les paroles. Oh ! Carrément dans le jack, quoi. Ça ne rigole plus ! Ça ne rigole plus ! Il va s'est baissé ta garde ! Ah, mon casque qui tombe. Non. Je m'en fous, vous l'avez tous vu. Tous vu, il m'a pris en traite. Fini. That's Mr. Prince, you know. Mais c'est Sanji, Vince mort. Oh, oh, chose que j'allais mettre. Ouais, mais t'as rien mis. Pourquoi? Parce que... Okay. Oh, tu m'as gavé. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Oh. Ok, ça veut jouer à ça, les gars. Diable Jumbo. Tenez. Le feu contre le feu. Non, il a pas fait long feu. What the fuck with that? Ça part sur de la bonne blague. Ça part sur du burning blood. Ça part sur du sang. Shinkai. Oh mon dieu. Ace est beaucoup trop balèze, les gens.
Ah, recule, 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 recule. Ouais, c'est vrai qu'il est fort là, le personnage. Hein. Et oui, mais t'inquiète pas, rate. Allez, parce que je suis gentil. Tenez. Oh, oh le dé, je suis parti en arrière pour mieux revenir quoi. Ça s'appelle. Ça s'appelle pas. Je veux ma revanche. La revanche, les amis. Lui, il a pris l'équipe Cute Putaclic, c'est-à-dire Boobs et Chopper. Voilà. Alors que moi, je suis sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intelligent, sensationnel. Quelque chose qui part sur du Luffy, Franky et Ivankov. Voilà. Très profond. Suivant, c'est parti, je veux ma revanche. Cette fois, je gagne. On est à Dressrosa, c'est magnifique. Devant c'est la statue de Wakasama, le seul, le vrai, l'unique. Voilà, le jeu est quand même magnifique. Hein, oh, il y a Pika derrière qui fait le malin. Voilà, ça blablote et tout. Bah oui, tu vas nous montrer quoi, Nami? Les trois faibles, c'est fini. On va faire de notre mieux. Ok. Attends, mais. En fait, il a pris Luffy, mais de Marineford. Oh, j'ai pris Luffy de Marineford. Enfin, c'est-à-dire Luffy, en fait, 2 ans avant. What? Il y a le choix. Mais comment ça, par contre, t'as pas le choix, tu perds. Ivankov, elle fait quand même la taille d'une maison. Je tenais juste à préciser. Sa tête fait la taille d'une maison. Let's go. Ah, il. Bon. Ok. Ah oui, attendez, on voulait voir un truc rigolo. J'ai vu ça tout à l'heure en jouant tout seul. Une attaque spéciale de Nami. C'est pour mieux voir son cul. Attends, mais. Non, mais sans déconner, c'est censé être une attaque unique. Regardez, regardez, regardez. Quoi? Pour ceux qui savent ce que ça signifie, dites-le nous. Dites-le dans les commentaires parce que. Merci le nin-nin. En attendant, tout ce que je fais, c'est me faire bagage. Je rigole, je démonte. Parce que c'est bien connu, les gars. Oh, ce jeu nous permet de savoir que Nami défonce Luffy en 1v1. Ah non, c'est vrai. Ok. Boum. Revers de bâton. Climat lol. Oh non, pas le nini. Allez, les skis. Oh, j'allais te faire une de cette boulette. Mon dieu. Mais en vrai, Kitaro, il joue super bien. Je sais pas si vous trouvez quand même. Mais c'est parce que moi, je tente quelque chose alors que toi, tu spammes des boutons. Est-ce que tu veux que je... Ok. La con de toi. Regarde, regarde, regardez. La con de toi. Même le saut en l'air, regardez. Saut en l'air. Ah non, c'était. Et voilà! Attends, tu parles à Manami! Tu parles à Manami! Tu as tenté! Attends, attends! Regardez, elle est presque à poil, les personnages se dévêtissent! Bien sûr, ils ont fait ça qu'avec les personnages féminins! Voilà, parce que quand même, faut. Ah! J'en étais sûr! Boum! Boum! Ah! Bra! Oh, oh! Oh, c'est Iron Boxing! Oh! Mmh. Et voilà, on a... tu récoltes ce que. Non! Elle a fait le nim-nim! Voilà. Mais je crois que c'est serré. Hein. Et oui. Pourquoi j'arrive à rien sur ce jeu? Parce que. Ah oh. 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 Coup de vin. Oh, in the box. That's right. That's right. C'était quoi ce plan? Attendez, attendez, un coup de vin. Regarde, regarde, quand même. Regarde. Tuto, comment te faire ragal. Quoi? T'as vu, je te tiens. Il m'a empris. Oh. Oh. Oh, il m'a crutch. Il m'a crutch. Parce qu'en fait, what the fuck. Run boxing. En attendant, Kamal, je veux que ça soit noté quand même. Pour qu'il gagne, il faut qu'il spamme le. Oh, y'a Pika derrière qui fait le malin. Regarde. Non, on voit pas. Bon. Je suis fichu, dit-elle. Oh, des fois, vous voyez. Oui, Ariane Pirato. Voilà, comme ça, moi, je sais que j'ai gagné. Oh, oh oui. Ça spam des boutons. Bah. Ah. Je veux un replay, oh, oui, sur, Ivankov. Comme ça, je sais que j'ai gagné. Regardez comme elle se. Regardez comme il se dandine. Allez. Un. Oh. Aou. Un. Les gars, ça c'est pas magnifique tout de même.
Oh! Eh oui! Oh! C'est serré! Et plus pour longtemps! Bra! Ra! Ouh! Dans le corrida! Et voilà. Chopper! Que d'agitation, les amis. Je ne sais plus quoi penser. Il faut une belle. Et oui. Si ce n'est que, je crois que ça, c'est ce qu'on va faire toute la soirée, je crois, parce que voilà, on est désolé, on ne sait pas vraiment comment bien jouer, etc. Mais on va s'améliorer. C'était juste histoire de vous présenter un petit peu le contenu du jeu. Et voilà, dès qu'on a plus de persos, etc. Parce que c'est tendance. Et c'est super super bien, en tout cas on vous le conseille vraiment pour tout le vin, hein, voilà. Ouais. c'est vraiment terrible. On espère que vous avez bien apprécié la vidéo, on se retrouve pour plein d'autres trucs trop bien, trop chouettes, un unboxing bientôt de l'édition collector. Ouais. Et c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro, au Mancorvo, ciao tout le monde.